Père, nous te remercions pour la réunion des dirigeants. Merci pour tes fils et tes filles. Merci pour nos pasteurs et pour tout le monde. Nous demandons que ce soir, que tu ouvres notre entendement et que tu nous aides à voir tout ce que tu as pour nous dans la parole au nom de Jésus-Christ. Fortifie ton peuple, énergétise ton peuple et aide-nous à atteindre les autres et à les convaincre et que, que tu mettes dans leur vie la puissance surnaturelle au nom de Jésus-Christ. Nous prions que cette semaine, ce que nous n'avons jamais vu, ce que nous n'avons jamais connu, comme ton peuple vienne pour le culte d'ensemble spécial de dimanche, que ce qu'il y ait le surnaturel, qu'il y ait la puissance, qu'il y ait de grandes merveilles dans toute vie, dans tout cœur, au nom de Jésus-Christ. Confirme ta parole dans toute vie ce soir. Au nom de Jésus, nous prions. Ça, c'est tout l'amen que vous avez pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes déjà bénis, assoyez-vous. Nous sommes à Hébreux au chapitre 2. Et je dis verset 9, Hébreux 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait, et en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Je veux souligner soit ces trois mots dans le verset 9. Et qui a dit, nous le voyons, ça y est, nous voyons, c'est Jésus. Et l'apôtre criait au sujet de l'homme, et il a parlé de l'homme, et en parlant de ce que le psalmiste avait écrit, que l'homme a été fait supérieur aux anges. Et comme il a mis tout, comme le verset, il a abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Verset 8, regardant l'homme tel que vous et moi, l'homme comme Adam, l'homme comme le descendant d'Adam, et que tous ces hommes n'ont rien vu qui soit mis sous leurs pieds. Et puis, il est allé au dernier Adam, qui est Jésus-Christ, à l'homme, le Fils de l'homme, celui qui est venu du ciel, celui qui est un peu abaissé aux anges à cause de l'incarnation. Il est devenu un homme, il est mort à la croix de Calvaire, et étant né comme un bébé, étant inférieur aux anges, et marchant les voies de Jérusalem, et tout le monde le voit comme un homme qui est un peu abaissé et au-dessous des anges, et il pourrait même pleurer, à pleurer sur Jérusalem. Les anges ne pleuraient pas, mais il était abaissé un peu au-dessous des anges, et quelqu'un venu même et l'a démenti, et il a été même trahi, il a été crucifié. S'il n'était pas devenu un homme, il ne pourrait pas être trahi. Il était abaissé un peu au-dessous des anges, mais il a été ressuscité. Il a été ressuscité avec puissance et autorité. Maintenant, c'est dit ici que nous, Jésus, nous le voyons. Maintenant, il le regardait dans l'Évangile. Nous voyons Jésus. Alors, il le regarde
comme il a porté notre culpabilité à la croix, nous voyons Jésus. Et dit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, il le regardait dans la gloire. Maintenant, les choses ont changé et il est allé au ciel et dit, maintenant, nous le voyons. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons. Voyez, il était abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges et il est devenu comme un homme. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Il a souffert pour vous et pour moi. Il n'est plus à la croix. Maintenant, il dit que si nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Maintenant, après avoir goûté la mort pour nous, il est maintenant à la gloire. Il est maintenant au ciel. Ce soir, je parle de nous voyons Jésus. Qui veut voir Jésus là-bas? Vous allez le voir. Vous allez voir Jésus. Mais nous voyons Jésus au temps de sa gloire, lorsque Jésus est demeuré parmi les hommes, lorsqu'il a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, les hommes pécheurs, les hommes affligés par Satan, les hommes souffrants, les hommes opprimés l'ont vu et ils étaient sauvés. Ils l'ont vu lorsqu'il était sur la terre ici et ils étaient délivrés. Ils l'ont vu lorsqu'il était sur la terre et ils étaient guéris. Vous verrez Jésus-Christ. C'est au temps de l'évangile, ils l'ont vu et de grandes choses merveilleuses se sont produites dans leur vie à la croix. Il y avait un homme là-bas à la croix, un homme condamné, un criminel, un bandit, un grand pécheur. Il mourait et il passait ses derniers jours sur la terre. Mais savez-vous que l'homme condamné a vu Jésus, il était pardonné, il était libéré et il était amené au paradis. Il a vu Jésus, disant, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et là, il a vu dans ce moment crucial, Jésus a dit qu'aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Après la croix, après la résurrection, regardez Étienne. Étienne était persécuté et comme il a regardé les cieux, il a dit, je vois les cieux ouverts et je vois Jésus, le Fils de l'homme, se tenir à la droite de majesté de Dieu. Il était amené au ciel, il était transporté au ciel, il a vu Jésus, vous le verrez. Et puis, ici nous voyons Étienne, je vous l'ai dit, et maintenant nous parlons de Saul de Tarse qui allait à Damas et soudain, il a entendu son nom. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a regardé en haut, mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus. Il a vu Jésus. Il était totalement transformé. Avant la croix et à la croix, après la croix, tous ceux qui ont vu Jésus ont la transfiguration, ont le changement, ont une transformation totale. Nous voici après la croix. Je veux le voir cette nuit. Je veux voir Jésus cette nuit. Voyons ceci. Voyons Luc. Luc, au chapitre 5, seulement voir Jésus, tout chose changera dans votre vie. Voyons Luc, chapitre 5, je le verset 12. Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, c'est ça, Jésus souligné cela dans votre Bible, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. C'est ce qui arrive quand on voit Jésus. Quelque chose doit se passer dans votre vie quand vous voyez Jésus. Voyons Luc, chapitre 19. Luc 19, verset 3.
mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. C'était lorsque Jésus était sur terre ici, et Zachée cherchait à voir Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de, parce que du verset 2, verset 1, chercher à voir qui était Jésus. Vous savez qu'il il est monté sur un sycomore. Et voyez, verset 5, mais, verset 6, mais Zachée se tenant debout devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Il a vu Jésus, il était sauvé. Je vous le dis que si vous voyez Jésus, quelque chose se produira dans votre cœur. Jean au chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus. Oui, c'est un jour spécial dans votre vie. Et dans la vie de Jean, lorsqu'il a vu Jésus, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et maintenant, nous sommes arrivés à cette scène spéciale de Jésus. Actes au chapitre 9, verset 27. Actes 9, verset 27. Alors, Barnabas l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur. Voyez cela, tout ce qu'il vous faut faire, c'est de voir Jésus. C'est pourquoi Hébreux 2:9 nous dit que nous voyons Jésus. Maintenant, Saul, le persécuteur, est devenu prédicateur, celui qui luttait contre nous, contre le calvaire, contre Christ, il a vu Jésus et les choses sont devenues différentes. Ne le savez-vous pas? Votre vie deviendra différente. Votre famille deviendra différente. Le ministère de Dieu dans vos mains deviendra différent au nom de Jésus-Christ. Voyez-le, toute chose changera pour vous. Et qui lui avait parlé comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Paul se référait à cela en Actes au chapitre 22, verset 12. Or, un homme, Ananias, homme pieux selon la loi et de qui tous les Juifs demeurant à Damas, rendait un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, voici Saul maintenant, Paul qui relatait ce qui était arrivé, Saul mon frère, recouvre la vue, quelqu'un va avoir une vision plus claire, quelqu'un là-bas verra très clair, recevez votre vision au nom de Jésus-Christ, recouvrez votre vue au nom de Jésus, Saul mon frère, recouvre la vue, au même instant, je recouvrai la vue et je le regardai. Il dit, le Dieu de nos pères, ta destinée. Dieu merci, j'ai été choisi. Je suis choisi pour faire le bien. Je suis choisi pour réussir. Je suis choisi pour prêcher l'évangile. Je vais prêcher. Il dit, je vais prêcher. Et l'œuvre de Dieu va réussir dans vos mains. Voyons ceci. Et il dit, le Dieu de nos pères, ta destinée, à connaître sa volonté. Et puis à faire quoi? À voir le juste et à entendre les paroles de la parole de sa bouche. Voyez là-bas, Ananias lui a dit que le Seigneur t'a choisi pour, oui, quoi que tu l'aies vu en route vers Damas, maintenant tu le verras, tu verras le juste et tu écouteras sa voix. Et puis Saul, qui est Paul, n'a jamais oublié cela. On va à 1 Corinthiens au chapitre 9, verset 1. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus?
Notre Seigneur, n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Il dit, mais voici ce qui me donne la joie, la force et l'énergie divine. Qu'est-ce que vous croyez qui me fait courir? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? C'est pourquoi sur votre liste, dans votre cœur cette nuit, comme vous exprimez votre désir, et on va à Jean 12, nous allons à Jean au chapitre 12, verset 21. Jean 12, 21. S'adressèrent à Philippe de Bethsaida en Galilée et lui dit avec instance, tout le monde lisait cela, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Encore, criez cela, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Maintenant, vous comprenez pourquoi c'est très important que vous allez vouloir voir Jésus. Nous parlons ce soir de regarder Jésus dans sa plénitude, regardez Jésus dans sa plénitude médiatrice. Premier point, convaincre les pécheurs à voir Jésus. C'est le ministère qu'on a. Nous allons persuader les gens, nous allons supplier les gens, nous allons proclamer la parole de Dieu aux gens afin que nous les amenions au point de désirer Jésus, le sauveur, de voir Jésus, le sacrifice final, de voir Jésus, la puissance qui change toutes choses dans leur vie, qui transforme leur vie. Premier point, persuader ou convaincre les pécheurs à voir Jésus portant notre culpabilité. Deux, persuader ou bien obliger les saints. Prévaloir, persuader les saints à voir Jésus pour la piété. Quand on vient à l'évangile, on vient à l'assemblée des saints. Nous devons être persuadés, nous devons être obligés et nous devons être poussés. C'est comme nous voulons pousser tout le monde à avoir le désir, voulez voir plus de Jésus, parce que après l'avoir vu au calvaire, vous devez le voir aussi au point de la résurrection, même vous devez aller même le voir à la Pentecôte, afin que quand vous êtes conduit, comme nous vous supplions, comme nous vous disons que vous êtes un enfant de Dieu, un saint de Dieu, vous allez vouloir voir Jésus plus. Vous allez voir plus de sa grâce, plus de son évangile et plus de sa piété. Persuader les saints, obliger les saints à voir Jésus pour la piété. Troisième point, préparer ses serviteurs pour voir Jésus dans sa gloire. Préparer les serviteurs, vous êtes l'un des serviteurs. Est-ce que j'ai des serviteurs de Dieu ici cette nuit? Le Seigneur lui-même va vous faire voir Jésus dans sa parole. Quel est le premier point là-bas? Persuader les pécheurs à voir Jésus portant notre culpabilité. Hébreux au chapitre 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Il est devenu un homme, le Fils de l'homme. Il est mort pour nous. Il a souffert. Et il était angoissé et il a été fouetté, amené à la croix et crucifié. Ici, c'est dit que il a souffert et il a souffert la mort pour nous. Et c'est dit que il souffrait la mort pour tous, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il n'y a pas de doute dans votre cœur.
Quelqu'un parfois va dire que et comment se serait sauvé. Il a goûté la mort pour vous. Christ est mort pour vous. Est-ce que mon papa, ma maman, mes proches peuvent être sauvés? Christ a souffert la mort pour tous. Est-ce que l'autre là peut être sauvé? Il a souffert la mort pour tous. J'ai vu cet homme-là, il péchait à maintes reprises. Y a-t-il d'espoir pour lui? Eh oui, Christ a souffert la mort pour tous. Quand on voit Jésus, la paix de Dieu viendra au nom de Jésus-Christ. Il a souffert la mort pour tous. Alors c'est pourquoi on voit ceci maintenant. Nous voulons persuader les pécheurs à voir Jésus portant notre culpabilité. Allons à Ésaïe au chapitre 53. Ésaïe au chapitre 53. Nous lisons le verset 3. Ésaïe 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Que le pécheur le sache, que toute la douleur, toute la culpabilité, toute la souffrance, tout le dérangement, la turbulence du pécheur est sur Christ. Christ a tout porté. Semblable à celui dont on détruit le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a souffert la mort pour tous. Que le pécheur le voie. Faut pas seulement les faire voir leur péché. Parfois, on prêche aux gens, dit qu'ils sont méchants, ils sont terribles, et ils ne vaut rien, ils sont comme des vers, ils sont comme les plus grands pécheurs du monde. Peut-être c'est vrai. Mais qu'il faut le faire voir, faut le faire voir Jésus, que cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Qu'il sache cela. Il faut le persuader que Jésus-Christ est blessé pour notre homme. Il était frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, tout le monde. Il y a la miséricorde pour tout le monde, le salut pour tout le monde, il y a la rédemption pour tout le monde. Il a souffert la mort pour tout le monde, et nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a alors ôté la culpabilité de vous et transféré cela à Jésus. Ôté l'oppression de vous et transféré ça à Jésus. Ôté la punition, la mort de la crainte et la crainte de la mort et de la crainte du jugement. Et transféré cela à Jésus parce que le Dieu Tout-Puissant a mis sur lui l'iniquité de nous tous. Mais quelqu'un doit leur dire, doit les persuader que Jésus est mort pour eux. Et une fois qu'ils voient Jésus comme leur substitut, dès qu'ils voient Jésus comme leur sauveur, beaucoup de personnes seront sauvées à travers vous au nom de Jésus-Christ. Actes au chapitre 8, nous lisons le verset 29. Actes chapitre 8. Je lis le verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Vous devez aborder les gens, vous devez aller vers les gens, vous devez taper à leur porte, vous devez entrer dans leur maison, vous devez entrer dans le char, vous devez vous approcher d'eux et les toucher. Mais quand vous vous approchez d'eux, il n'y a qu'une seule chose que vous devez faire, qu'il faut les faire voir Jésus. Que Jésus a porté et leur chagrin. Philippe a couru et l'Esprit dit à Philippe, avance et approche de ce char. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comment comprends-tu ce que tu lis?
Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? L'homme la lisait le passé, mais il n'a pas pu voir Jésus. C'est ainsi que nous devons aider les gens. Ils lisent les traités, ils ne comprennent pas. Ils lisent les littératures chrétiennes, ils ne comprennent pas. Ils lisent Matthieu, Marc, Jean, Luc, ils ne comprennent pas. Et nous devons les aider à voir Jésus. Nous devons les faire voir Jésus, que Jésus a souffert la mort pour tous. Il a porté leur honte, leur chagrin, leur péché, leur culpabilité. Et c'est dit. Il répond, il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qui les a était sur les signes. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il lui a fait voir Jésus, que Jésus a porté nos douleurs. C'est ce que vous devez faire. C'est ce que vous devez aller dire aux gens et leur montrer cela. Qu'ils ne doivent pas mourir, ils ne doivent pas périr, ils ne doivent pas souffrir pour leurs péchés, ils ne doivent pas souffrir maintenant et souffrir dans l'avenir, ils ne doivent pas souffrir sur la terre et souffrir en enfer. Alors il faut leur faire voir Jésus, que Jésus est mort pour eux. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? L'homme l'a vu, Jésus, sa vie a changé, son cœur a changé et elle a transformé dans sa vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes ne sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Philippe l'a persuadé à voir Jésus, portant sa douleur, sa culpabilité. C'est ce qu'on doit faire. Beaucoup de personnes sortent et ils parlent de l'Église, parlent de la vie profonde, ils parlent d'eux-mêmes, ils racontent des histoires de la Bible, ils citent les références de la Bible, ils parlent de ceci, de cela. Ils peuvent parler une heure et les gens à qui ils parlent ne peuvent pas voir Jésus. Mais nous voyons Jésus qui a souffert la mort pour tous. Et c'est là la responsabilité, c'est le ministère que le Seigneur nous a confié. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Dieu merci, il a vu Jésus. Les gens à qui vous parlez verront Jésus. Les gens à qui vous prêchez verront Jésus. Et tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Le salut est venu et la joie du salut lui a été accordée par le Seigneur. On va à Romains au chapitre 3. Romains au chapitre 3, je lis verset 9. Nous devons convaincre les gens, nous devons les persuader à voir Jésus. Romains 3, verset 9. Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Mais rappelez-vous, pour les juifs et les païens, et tous ceux qui sont sous l'empire du diable, sous le joug du péché, Christ a souffert la mort pour tout homme. Allez les persuader, allez leur révéler qu'ils voient Jésus, qu'il a porté nos chagrins. Verset 10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis.
Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un. Pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils doivent voir Jésus. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Ils doivent voir Jésus. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche, voyez cela, toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Coupable devant Dieu. C'est pourquoi tout le monde doit voir Jésus, qu'il est venu ôter notre culpabilité, il est venu ôter notre châtiment. Voyons verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ils seront justifiés, et ce, c'est gratuit. Pour que leur péché soit ôté, leur péché totalement pardonné, et la vie deviendra nouvelle en Christ. Maintenant, il faut les persuader, c'est ce qu'on doit faire. Il faut les persuader. Je vais aux Actes des Apôtres, chapitre 13. Comprenez que si vous sortez, vous devez dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais évangéliser. Vous savez ce que cela veut dire? Cela veut dire, allez les persuader à voir Jésus comme leur sauveur, à voir Jésus comme leur substitut, à voir Jésus comme le porteur de leur péché, à voir Jésus comme le sacrifice final qui ôte nos péchés. Acte 13, verset 38. Acte 13, 38. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est l'apôtre Paul qui dit que c'est par Jésus. Il leur dit que regardez Jésus, il vous sauvera. Regardez Jésus, il vous pardonnera. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Verset 40. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez contenteurs, soyez étonnés, disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Et les exhortèrent et les persuadèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. De la culpabilité à la grâce. De la culpabilité à la grâce de Dieu. Persuadez-les. C'est ce que Paul a fait. C'est pourquoi plusieurs sont venus voir le Seigneur. Acte au chapitre 18, verset 4. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Voyez, si vous prêchez seulement, vous dites que les gens n'écoutent pas, peut-être vous ne présentez pas bien le message, peut-être vous ne leur montrez pas comment ils doivent voir Jésus. Jésus le Messie, Jésus le sacrifice final. Mais l'apôtre Paul, lorsqu'il prenait la Bible et il parlait de la Bible, son but, son intention, c'est de persuader les gens. Et cet homme, quand il va à la direction, à cette direction de la religion, il va examiner la religion là pour le persuader. Si cela ne va pas marcher, regardez Jésus. S'il vient de la tradition, je vais lui dire que la tradition ne peut pas te sauver. Je vais te montrer Jésus
et montrer Jésus de manière à persuader la personne. S'il vient par les bonnes œuvres, je vais lui faire savoir que les bonnes œuvres ne peuvent pas l'aider. Je vais lui montrer Jésus. Vous sortez comme ça, vous allez dire que oui, je sais Jésus. Je vais diriger les gens vers Jésus et verront Jésus. Beaucoup seront sauvés à travers vous. Regardez votre Amen. Verset 5. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Voilà le verset 8. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Il a convaincu beaucoup de personnes qu'on peut voir maintenant, la loi ne peut pas vous sauver. On peut voir que les cérémonies ne peuvent pas nous sauver, les rituels ne peuvent pas nous sauver, l'Ancien Testament ne peut pas nous sauver. On peut voir que le temple ne peut pas nous sauver. Ils ont vu Jésus, persuadez-les à voir Jésus et ils seront sauvés au nom de Jésus-Christ. Verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi. Le Seigneur sera avec vous, son esprit sera avec vous, sa sagesse sera avec vous, la passion sera avec vous. Vous allez parler de façon convaincante. Vous allez persuader les gens à venir au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Cela va se reproduire. Deuxième Corinthiens au chapitre 5. Deuxième Corinthiens au chapitre 5, verset 11. Deuxième Corinthiens, chapitre 5, verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Connaissant donc la crainte du Seigneur, parce que nous savons que le jugement vient. Et la seule manière d'y échapper, c'est de voir Jésus, c'est de recevoir Jésus-Christ, c'est de croire à Jésus et le voir comme il est mort pour vous, le voir comme il a ôté vos péchés, le voir comme il a totalement éradiqué le châtiment du péché. Le secret du salut et le secret de la libération, le secret de la transformation, le secret d'avoir la paix avec Dieu, le secret d'avoir votre nom inscrit dans les cieux, être libéré de la terreur, de la condamnation, du jugement à venir, c'est de voir Jésus. Donc l'apôtre Paul a dit, parce que nous connaissons la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans les consciences, vous vous connaissez, vous nous connaissez aussi. Je prie que la sagesse d'aller et de convaincre les gens à voir Jésus comme sauveur vous soit accordée au nom de Jésus-Christ. Deuxième point, persuader les saints à voir Jésus pour la piété. Je retourne aux Hébreux, chapitre 2, versets 9 et 10. Hébreux 2, 9 et 10. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par la souffrance le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il nous dit ici que quand vous voyez Jésus au salut, il ne s'arrête pas là-bas. Il regarde moi. J'ai vu Jésus en route vers Damas comme je l'ai vu en route vers Damas. Il dit Seigneur, je l'ai appelé Seigneur. Il l'a vu comme Seigneur. Il est devenu mon sauveur, mon Seigneur, mon maître, mon Messie, le Messie que j'attendais. Et après le salut,
était à Damas, je priais 3 jours et 3 nuits. Et Anania était venu et m'a imposé la main et mes yeux naturels étaient ouverts. Et je commençais à voir Christ dans les Écritures partout. Et je l'ai vu dans la gloire, je l'ai vu dans la piété et dit, j'ai le salut et j'ai la sanctification. Maintenant, il écrit au Saint que ceux qui sanctifient et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. À cause de cela, il n'a pas honte de les appeler frères. Même, il a même dit que le salut merveilleux, la sanctification c'est merveilleux. Et que 1 Corinthiens 12, que je connais un homme dans la chair. Je connais un homme, que ce soit dans la chair ou en esprit, je ne peux le dire, qui était transporté au paradis, au troisième ciel. J'ai entendu des choses, j'ai vu des choses que je ne pouvais pas vous révéler. Et il dit que j'ai vu Jésus dans la gloire. Je l'ai vu à la grâce, j'étais sauvé. Je l'ai vu dans l'évangile, j'étais sauvé. Je l'ai vu dans la piété, j'étais inspiré, béni. Je l'ai vu dans la gloire et j'ai vu des choses et entendu des choses ineffables. Et bien, Jésus veut vous purifier, veut vous sanctifier, veut vous nettoyer pour qu'il y ait plus de piété dans votre vie. Et rendra votre service plus agréable à lui-même au nom de Jésus-Christ. Je dis, il rendra votre service plus agréable au nom de Jésus-Christ. Voyons Malachie au chapitre. Malachie 3, 2. Qui pourra soutenir et là, verset 3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux anciens jours. Comme aux années d'autrefois, le Seigneur le fera. Je dis, le Seigneur le fera. Voyons Psaume 19. Psaume au chapitre 19, verset 8. Psaume 19, verset 8. Le second Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle retord l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe. La récompense est grande. Voilà le verset 13. Alors, qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. C'est la piété. Quand on voit Jésus, pardonne-moi. Quand on voit Jésus, comme la parole purifie, quand on voit Jésus, celui qui purifie, qui rend saint, qui sanctifie, et les erreurs secrètes et les fautes que vous ne pourrez pas vous voir vous-même, il vous les montre. Quand vous le voyez au salut, vous serez sauvé. Maintenant, vous avancez, vous le voyez, vous dites que est-ce que je vais bien, est-ce que je vais bien, il vous fait voir et il vous purifiera au nom de Jésus-Christ. Psaume 51. Verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et... Qu'est-ce qui va se passer? Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Ouais, quand vous naissez de nouveau, aussi blanc que la neige, aussi blanc que la neige, et que vos péchés soient comme la pourpre, et vous lavera, vous deviendrez plus blanc que la neige. Mais l'homme de Dieu y prie et dit,
purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Le Seigneur le fera. Il nous donnera la piété dans l'âme, dans l'esprit, dans nos pensées. Il nous rendra plus blanc que la neige au nom de Jésus-Christ. Ésaïe au chapitre 6, verset 1. L'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et lui, ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: comprenez, cet homme Ésaïe prêchait du chapitre 1, c'est lui qui a dit venez et plaidons. Chapitre 2, c'est lui qui a parlé des gens qui doivent venir prendre, puiser de l'eau du salut. 3, c'est lui qui a condamné les habillements mondains sensuels des filles de Sion. 4, c'est lui qui invitait les gens et leur disait que Dieu ferait quelque chose de nouveau, de grand dans leur vie. Chapitre 5, c'est lui qui disait que vous, ivrognes, vous appelez le mal bien. Il était un grand prédicateur, un grand prophète. Mais maintenant, il a vu le Seigneur. Vous verrez le Seigneur. Avant de voir le Seigneur, après être né de nouveau, vous dites, mais gloire à Dieu, je suis né de nouveau. Vous réjouissez à cause de la joie du Seigneur. Je suis sauvé, je suis sauvé. Vous allez ici, je suis sauvé. Vous allez là-bas, je suis sauvé. Vous dites à tout le monde, je suis sauvé. Et vous avez vu encore Christ dans sa gloire, dans sa bonté. Et vous l'avez vu et dans une position plus élevée. Et vous avez admis, vous avez reconnu que je l'ai vu dans l'évangile de la grâce. Je dois maintenant le voir dans la piété, dans la grâce de Dieu. Verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi. Quand vous le voyez, la pureté viendra, vous le voyez, la sanctification viendra, vous le voyez encore, il lavera, nettoiera, purifiera votre âme, votre vie. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Ça, c'est la purification. C'est la piété là-bas. C'est la sanctification là-bas. Après cela, lorsque il est devenu un vase pieux, un vase lavé, un homme pieux. Et verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Je répondis, me voici, envoie-moi. Je répondis, quelqu'un là-bas me dit, me voici, envoie-moi. Je répondis, me voici, envoie-moi. Mais il ne va pas envoyer le pécheur aller convertir le pécheur. Il n'enverra pas l'aveugle aller conduire l'aveugle. Mais il enverra les gens dont les mains sont purifiées afin qu'ils puissent aller prévaloir sur les autres et les amener. Et on va maintenant à Matthieu au chapitre 5. Matthieu 5 et verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Après avoir obtenu la grâce, la miséricorde de Dieu, salut la grâce de Dieu, salut la justice de Dieu, salut. Alors si vous désirez, vous avez la passion, vous dites que je veux être sanctifié, je veux être purifié, je veux une plus grande œuvre de la grâce dans mon cœur, dans ma vie. Le Seigneur verra ce désir, il verra cette passion.
Il verra cette consécration et va vous remplir de la justice au nom de Jésus-Christ. Verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il veut qu'on avance, qu'on se consacre, qu'on mette tout sur l'autel, afin que cette piété, cette œuvre de la grâce, soit effectuée dans nos cœurs. Deuxième Corinthiens au chapitre 7, verset 1. Et ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il y a quelque chose plus que le salut, c'est ce que nous dit ici. Il y a quelque chose plus que la vérité qu'on a reçue au début lorsqu'on est venu au Seigneur. Il y a quelque chose plus que la paix du cœur. Il y a quelque chose plus que gloire à Dieu. Je suis juste maintenant. Jésus est venu dans mon cœur, c'est merveilleux. Mais il y a quelque chose plus que cela. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés sont des gens nés de nouveau, des enfants de Dieu. Bien-aimés, ça veut dire que vous êtes déjà sauvés. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Deuxième Timothée au chapitre 2:21. Deuxième Timothée 2:21. Si donc quelqu'un se conserve pur, mais il y a un rôle à jouer. S'il y a quelque chose qui a tendance à venir dans votre vie et à vous polluer, à vous souiller, quelque chose que vous voyez, quelque chose que vous lisez, ou la personne avec laquelle vous parlez, comme vous ne savez pas comment. La personne ne sait pas comment parler et cela vous souille. Alors, purgez-vous, purifiez-vous, séparez-vous de telle personne. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Sanctifié, vous serez sanctifié. Utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Lorsque cela se passe, vous saurez que Dieu va faire usage de vous plus qu'auparavant au nom de Jésus-Christ. Philippiens 3, verset 7. Philippiens 3, 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il y a des choses, des jouets, des choses qui ne sont pas pécheresses, mais qui ne conviennent pas à un bon homme de Dieu, à une bonne femme de Dieu. Maintenant, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et de trouver en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ, il est déjà né de nouveau. Afin de connaître, il est déjà un saint. Afin de connaître Christ, il est déjà serviteur de Dieu. Afin de connaître, il est déjà évangéliste. Afin de connaître Christ, il a visité le troisième ciel, il est revenu, afin de connaître Christ. Je prie que vous le connaissiez plus. Ouais, il y a des gens qui viennent à une telle réunion et après la réunion, après que la réunion est finie, et en prière, ils sortent et ils quittent comme ça. Ils n'ont pas le désir, ils n'ont pas la passion, ils ne sont pas enthousiasmés à vouloir connaître plus Christ. Et ils demeurent les mêmes. Je prie que quelque chose arrive aujourd'hui, qu'il y ait un changement dans votre vie, une transformation en vous. Et afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de sa souffrance en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Verset 13, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Quelqu'un aujourd'hui va
va se porter en avant. Vous allez atteindre là où vous n'avez jamais atteint. Vous aurez plus de grâce. Et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Jésus, de Dieu en Jésus-Christ. Comme vous avancez, plus de la grâce de Dieu, plus de la bonté de Dieu, plus de la piété de Dieu dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Vous allez voir Jésus cette nuit. Je prie que vous le voyez plus. On va... Hébreux 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons. On était pécheurs, on est venu à Jésus et on était sauvés. En tant que saint, on l'a encore regardé, on est sanctifié et nous a sanctifié. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la fin. Nous le voyons, Jésus est allé à la gloire, il était exalté et était élevé, il était mis à la gloire du Père. Nous le voyons, il nous a baptisés dans le Saint-Esprit, ce n'est pas la fin. Et encore plus, il y a plus de ciel pour chaque âme cette nuit. Au nom de Jésus-Christ, regardez-le et vous serez élevé. Et regardez-le, vous allez faire de progrès. Regardez-le, vous aurez plus de Jésus au nom de Jésus-Christ. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. À cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Voyez, il convenait. En effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire. Beaucoup de fils. Et vous qui voulez conduire à la gloire, beaucoup de fils. Il voulait conduire à la gloire, beaucoup de fils. C'est pourquoi vous devez le voir. Beaucoup de personnes disent que je lève, j'étais sauvé. Oui, mais cela ne suffit pas. Et que si nous le voyons plus, si vous le voyez cette nuit, vous continuez de le voir, il va vous amener à la gloire. Il va amener sa gloire dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. 1 Jean 3, amener plusieurs âmes à la gloire. Troisième point maintenant, préparer ses serviteurs à voir Jésus dans sa gloire. Préparer ses fils à voir Jésus dans sa gloire. Préparez-vous-même à voir Jésus dans sa gloire. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est, nous serons semblables à lui. Et que vous devez faire? Il veut nous amener à la gloire parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque, combien de personnes? Il dit combien de personnes? Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Il veut nous amener à la gloire. Colossiens au chapitre 3, verset 1. Ce qu'il faut faire, voici votre responsabilité. Il veut vous amener à la gloire. Colossiens 3:1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il veut vous amener à la gloire et non à la disgrâce. Vous devez savoir cela dans votre vie, que tout ce qui ne glorifie pas Dieu doit être enlevé.
Tous ceux qui n'ont pas le nom du Seigneur doivent être ôtés de votre vie au nom de Jésus-Christ. Il va conduire beaucoup de fils à la gloire et va vous transformer. Deuxième Corinthiens, au chapitre 3, verset 18. Deuxième Corinthiens 3, verset 18. Nous tous comme de nous, je dis nous tous comme d'entre nous, nous tous, ouais. Personne ne doit dire que je ne m'intéresse pas à cela. Que vous, est-ce que vous ne vous intéressez pas au calvaire, au sang de Jésus, à la purification par l'agneau que Christ vous purifie et vous amène de la grâce à la piété? Vous devez vous intéresser à ceci. Voici le pourquoi Jésus est venu payer le prix. Et dit, parce qu'il a fait ceci, alors vous allez vouloir qu'il vous saisisse et qu'il vous élève. Il va vous amener plus haut au nom de Jésus. Et il viendra dans votre vie, dans la gloire, dans la puissance, dans votre ministère au nom de Jésus. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Est-ce que vous allez regarder? Est-ce que vous allez voir? Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous le regardons comme nous le regardons et nous transforme, et nous change et nous transforme à un niveau de gloire, à un autre niveau de gloire. Deuxième Corinthiens, chapitre 4, verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Vous n'allez pas perdre courage. Vous ne serez pas fatigué. Vous n'allez pas vous retirer. Je dis, vous n'allez pas vous retirer. Je vois certains là-bas, je dis que pasteur, laisse-moi, personne ne vous laissera. Même si vous êtes fatigué, la force du Seigneur vous fortifiera au nom de Jésus-Christ. Parfois un petit découragement, parfois un petit défi, parfois une petite croix, parfois un petit problème dans la famille, parfois un petit problème au lieu de travail. Je ne crois pas aller aujourd'hui. Non, vous allez venir à tout moment. Je vous allez venir à tout moment. La force du Seigneur va vous amener plus haut au nom de Jésus-Christ. Nous allons. C'est pourquoi, ayant ce ministère, j'ai reçu un ministère. Il dit, j'ai reçu un ministère. Et que voici mon enfant, j'ai reçu un ministère. Quand vous continuez à venir, vous regardez Jésus, la vertu de Jésus va passer à l'enfant au nom de Jésus-Christ. Regardez mon mari, regardez ma femme. Je vous dis, si vous n'allez pas vous retirer à cause de votre mari, si vous n'allez pas vous retirer à cause de votre femme, ces choses que vous désirez pour votre femme, pour votre mari, quand vous regardez Jésus, la gloire va rentrer dans votre famille. La gloire va parvenir à votre mari, va parvenir à votre femme. Le réveil va rentrer dans votre famille au nom de Jésus-Christ. Vous avez reçu un ministère. Est-ce que vous avez un ministère? Où sont les gens là-bas? Vous avez un ministère, vous ne serez pas fatigué. Vous n'allez pas vous lasser au nom de Jésus-Christ. Tel votre Père dans le Seigneur court, vous allez courir derrière lui. Certains d'entre vous vont courir me dépasser au nom de Jésus-Christ. Mais si vous ne vous levez pas, si vous n'êtes pas prêt vous-même, alors je dis que prêt, courez, alors vous allez rester derrière. Vous allez dire que un pasteur spécial, vous êtes spécieux aussi. La grâce de Dieu est en moi, la grâce de Dieu est en vous. Le même Jésus que j'ai vu, c'est le même Jésus que vous voyez. Cette nuit, toute chose en vous, la gloire va le changer au nom de Jésus. La puissance du Seigneur va rentrer dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes prêts, laissez les notes maintenant. Et vous allez arranger maintenant, apprêtez-vous. Parce que nous sommes maintenant, nous allons courir plus loin. Nous allons faire de grandes choses pour le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je vois la gloire de Dieu venir sur vous. Je vois la gloire de Dieu venir sur vous. À toute lassitude, tout épuisement va disparaître au nom de Jésus-Christ. Alors, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'atterrons pas point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Voilà le verset 16 qui dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est pourquoi
C'est pourquoi je ne perds pas courage. Je dis, c'est pourquoi je ne perds pas courage. Rien ne me découragera. Il faut le dire pour vous-même. Vous aurez ce que vous dites. Vous deviendrez ce que vous dites. Vous allez monter l'échelle que vous déclarez. Rien ne vous fera perdre courage. Il faut le dire pour vous-même. Rien ne me fera perdre courage. Rien ne me découragera. Rien ne m'écrasera. Rien ne vous chassera. Vous allez avancer. Il faut dire que j'avancerai. Vous allez avancer. Vous allez faire plus l'œuvre de Dieu. Cette œuvre va prospérer dans vos mains. Cette œuvre du Seigneur va prospérer dans mes mains. Le Seigneur va pardonner toutes vos erreurs passées. Le Seigneur va ôter vos problèmes passés. Toute la disgrâce du passé est ôtée. Vous ne serez pas confus. Je ne serai pas confus. La gloire sur votre vie. C'est fait au nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il y a le renouvellement qui est arrivé. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. La gloire. La gloire est venue. Il y a une avalanche de gloire. Une abondance de gloire viendra sur vous au nom de Jésus-Christ. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. La gloire de Dieu vient sur votre âme. La gloire de Dieu vient sur votre vie. Et cette gloire, la vertu du Seigneur va se multiplier dans votre vie, même ce soir ou cette nuit au nom de Jésus-Christ. Deuxième Pierre 1:3. Comme sa divine puissance nous a donné comme des choses tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par ses vertus, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Les participants de la nature divine, la nature de Christ sera transmise à votre vie même cette nuit au nom de Jésus-Christ. Où êtes-vous là-bas? Où êtes-vous là-bas? Tenez-vous debout et recevez. Tenez-vous debout et recevez. Le Seigneur veut que vous le voyez. Regardez-le. Voyez-le plus. Voyez-le plus. Quand vous le voyez, toute chose va disparaître. Quand vous le voyez, la maladie va disparaître. Quand vous le voyez, vos souffrances vont disparaître. Quand vous le voyez, ce chagrin va disparaître. Le découragement va disparaître. Quand vous le voyez, même la froideur, la tiédeur, la timidité va disparaître. Quand vous le voyez, les problèmes vont disparaître. Quand vous le voyez, et le froid, quand vous le voyez, et la condamnation, la culpabilité vont disparaître. Comme vous le voyez, une nouvelle vie et une nouvelle paix, une nouvelle vie viendra en vous. Quand vous le voyez, cette nuit, ces problèmes que vous dérangez dans votre famille, dans votre lieu de travail, dans votre ministère, partout où vous êtes, ces choses, ces problèmes vont disparaître. Comme vous le voyez cette nuit, toute la pression, toute l'oppression va disparaître. Regardez-le cette nuit. Regardez Jésus cette nuit. Regardez Jésus, il va vous sauver. C'est lui qui sanctifie. Regardez Jésus, c'est lui qui est le surnaturel. Regardez Jésus. Pourquoi ne pas le voir cette nuit et que tous les problèmes disparaissent? Regardez-le, ces messagers de la mort seront chassés de ta vie. Regardez Jésus et la connaissance viendra, la révélation viendra, l'illumination viendra. Nous allons voir Jésus. Quand on voit Jésus, la puissance d'en haut viendra sur vous. Quand nous voyons Jésus cette nuit, comme vous voyez Jésus, les montagnes vont se déplacer. Quand vous voyez Jésus, votre mer rouge se divisera et vous allez traverser
Quand vous voyez Jésus, il va pouvoir à vos besoins. Vous n'allez plus devoir, il va vous donner la manne du ciel. Quand vous voyez Jésus, les problèmes seront ôtés. Allez, quand tu vois Jésus, ma soeur, il ne faut pas quitter. Nous allons voir Jésus. Mon frère là-bas, il ne faut pas quitter. Nous allons voir Jésus. Le découragement va quitter. Et les puissants démoniaques vont fuir. Les problèmes vont fuir. Les problèmes vont prendre fin. Alors, toutes les activités du diable, les activités des ennemis vont disparaître. Je veux voir Jésus. Je veux voir Jésus. Je veux voir Jésus. Je veux le voir. Pourquoi ne pas le voir cette nuit? Pourquoi ne pas voir Jésus cette nuit? Il va te sanctifier. Pourquoi ne pas le voir? Il va te purifier. Pourquoi ne pas le voir? La gloire, la gloire, la gloire va venir dans ta vie. Pourquoi ne pas le voir cette nuit? Tu vas voir que tout ce que tu désirais, je veux ceci, je veux cela, tu vas se produire dans ta vie cette nuit. Je veux voir Jésus. Je veux voir Jésus. Regardez-le. 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 Recevez sa nature. Recevez sa puissance. Je vais voir Jésus. Recevez-le. Et toute la tiédeur va disparaître. Vous ne serez pas fatigué encore. Vous ne serez pas encore épuisé. Vous n'allez pas encore vous lasser. Je veux le voir. Regardez-le cette nuit. Regardez-le cette nuit. Regardez-le cette nuit. Et la puissance viendra. Et la culpabilité disparaîtra. Regardez-le. Regardez-le. La gloire viendra dans votre vie. La grâce viendra en vous. La piété sera transmise à votre vie. Il y aura une plus grande grâce dans sa vie. Je le vois cette nuit. Je le vois cette nuit. Je ne suis plus fatigué. Je le vois cette nuit. Je ne suis plus faible. Je le vois cette nuit. Je ne suis plus ce que j'étais. Regardez Jésus. Regardez Jésus. Regardez Jésus. Son nom est Jésus. Regardez-le. Il est sauveur. Regardez-le. Il est guérisseur. Regardez-le. Il est rédempteur. Regardez-le. C'est lui qui brise toujours. Regardez-le. Il est la puissance de Dieu dans l'homme. Regardez-le. Et tous vos problèmes prendront fin. Regardez-le cette nuit. Regardez-le cette nuit. Regardez Jésus cette nuit. Regardez-le cette nuit. Les maladies ne vont pas demeurer quand vous regardez Jésus. L'affection ne va pas demeurer quand vous voyez Jésus. L'ignorance ne va pas demeurer quand vous voyez Jésus. Regardez Jésus. Tous les problèmes de famille disparaîtront. Il va chasser la maladie. Il va essuyer vos larmes. Regardez Jésus. Les choses que vous avez vues dans le rêve n'auront même pas de valeur, ne vont pas se réaliser. Les puissants des ténèbres qui luttent contre vous, contre votre famille, il y aura la délivrance. Il y aura la délivrance. Regardez Jésus. Regardez-le et vous serez guéri. Regardez Jésus, vous serez délivré. Regardez Jésus et vous serez fortifié. Regardez Jésus et il va amener toutes choses dans votre vie. Amenez, vous serez, demandez, vous serez donné. Cherchez, vous serez. Cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. Jésus sauve, sanctifie et baptise dans le Saint-Esprit. Seulement, il faut le regarder, c'est fini. Regardez Jésus. Mais nous voyons Jésus. Mais nous voyons Jésus. Regardez-le, regardez-le, regardez-le. Vos problèmes ont pris fin. Au nom de Jésus, nous prions. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Où êtes-vous levé les mains, Père, au nom de Jésus? Nous te remercions de nous avoir révélé Jésus cette nuit. Jésus a souffert pour tout le monde. Je prie, Seigneur, que la mort éternelle soit éliminée de nos vies au nom de Jésus-Christ. La mort prématurée est supprimée au nom de Jésus. La mort subite est détruite au nom de Jésus. La mort accidentelle est détruite au nom de Jésus. Les maladies incurables, tout est ôté au nom de Jésus. Je prie que la faiblesse qui fait que les gens tombent et meurent, j'élimine cela au nom de Jésus. La vie pour tout le monde. La vie abondante pour tout le monde. La vie spirituelle pour tout le monde. La vie surnaturelle pour tout le monde. La protection sur votre vie. Vous sortez, vous revenez, vous êtes protégés.
à la maison, à l'église, vous êtes protégé. Vous êtes au bureau, vous êtes au marché, vous êtes protégé. Et tous les messagers de la mort sont chassés, supprimés, chassés de votre vie au nom de Jésus. Recevez sa nature. Recevez sa piété. Recevez sa gloire. La faiblesse ne sera plus dans votre vie. La force est venue. La puissance est venue. L'autorité est venue. Et l'onction qui brille toujours opère dans votre vie maintenant au nom de Jésus. Partout vous allez, vous verrez Jésus. Au bureau, vous verrez Jésus. Lorsque vous prêchez, vous verrez Jésus. Lorsqu'il y a un problème, vous allez voir Jésus. À la croisée du chemin, vous verrez Jésus. À tout moment de conviction, vous verrez Jésus. Lorsque vous êtes faible, vous verrez Jésus. Lorsque vous prêchez, vous allez voir Jésus. Lorsque vous évangélisez, vous allez voir Jésus. À tout moment de votre vie, à chaque croisée du chemin, dans tout problème, regardez Jésus. Vous allez garder la victoire. Vous deviendrez plus que vainqueur. Et je prie que la puissance de Dieu sature votre vie cette nuit. Le découragement n'est plus. La victoire est venue. La faiblesse est ôtée. Vous voyez Jésus, vous ne serez plus les mêmes. Seigneur, convie cela dans toute vie. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions.